Vous espérez que grâce à la vaccination, tout sera bientôt terminé. Un plan global appelé Grand Reset est en cours. Son architecte est une élite mondialiste qui veut soumettre toute l'humanité en imposant des mesures coercitives avec lesquelles on limite drastiquement les libertés individuelles et celles de populations entières. Cette idée du totalitarisme, c'est-à-dire de la négation de Dieu, en fait c'est ça, pour le pouvoir humain concentré dans une extrême petite minorité qui va imposer sa loi à tout le monde. Le Parlement prévoit les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. Au-delà des énormes intérêts économiques qui motivent les promoteurs du Grand Reset, l'imposition de la vaccination sera accompagnée de l'exigence d'un passeport sanitaire et d'une carte d'identité numérique, avec pour conséquence le traçage de la population du monde entier. Il ajoute que ceux qui n'accepteront pas ces mesures seront enfermés dans des camps de détention ou placés en détention à domicile, et que tous leurs biens seront confisqués. Bah, Hitler l'a fait, Mussolini l'a fait, Pol Pot l'a fait, etc. On est dans un cadre légal, on va mettre en œuvre une politique légale d'élimination. Que ce n'est que justice d'éliminer ces gens qui sont devenus indésirables et dangereux. Tu te fais pas vacciner, donc tu vas contre l'intérêt général et tu peux être la cause de la contamination. Comment peut-on éliminer les gens qui vont refuser le passeport vaccinal? On les cantonne, mais ça ne va pas être suffisant. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens que l'on a parqués comme des animaux, qu'on a éliminés de la vie, de toute vie sociale? La première chose, pour les éliminer, on les a concentrés. C'est-à-dire que tous ceux qui ne pensent pas comme il faut penser, on les prend et on va les mettre dans un lieu à l'extérieur de la société, c'est-à-dire qu'on les met en prison. Mais les prisons, elles se remplissent vite. Donc ensuite, on va les déporter. Puis comme les pays extérieurs disent à un moment donné, nous, on a un peu trop. Ben, la seule solution, c'est l'élimination. Et ce n'est pas à l'échelle d'un pays, ce n'est pas à l'échelle d'un continent, mais ça peut être à l'échelle mondiale, au nom de l'intérêt supérieur. En fait, ce qu'on peut constater, c'est que depuis un an, il n'y a plus aucun débat possible. Le gouvernement fait absolument ce qu'il veut.
Il y a quelques mois, il était facile de traiter de théoriciens du complot ceux qui dénonçaient ces terribles plans, que nous voyons maintenant se réaliser dans les moindres détails. Il ajoute que, jusqu'en février dernier, personne n'aurait jamais pensé que, dans toutes nos villes, des citoyens seraient arrêtés simplement parce qu'ils voulaient marcher dans la rue, respirer, garder leur commerce ouvert, aller à l'église le dimanche. Et pourtant, cela se produit maintenant partout dans le monde. On a beaucoup refait une partie du monde ce soir, mais on n'a pas parlé du vrai problème de l'humanité. Je passe mes nuits sur Internet, et moi je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une pandémie colossale. Je ne veux pas paniquer les populations. Non, j'ai aucune la France a commandé 600 millions de masques. 600 millions de masques, c'est le nombre de masques. C'est pas pour les civils, en fait. C'est le nombre de masques. Comme les masques sont à renouveler toutes les 12 heures ou toutes les 6 heures, c'est le nombre minimum de masques pour protéger les personnels médicaux. Tu y crois, ça? Mais la question n'est pas de savoir est-ce qu'on va le vivre. C'est quand? C'est quand? Le couvre-feu, ils ont déjà préparé tout. Comment l'armée va rentrer pour pas qu'il y ait des pillards? Comment ils vont protéger les hôpitaux? Vous me faites flipper, là. Ah non, mais il y a de quoi? Je me rends compte qu'il y a un truc qu'on m'a pas dit.